Alors, je continue à descendre progressivement vers Anguieri, ou Anghiari, je ne sais plus. Et là, là c'est carrément open space. C'est que il n'y a pas seulement sur un côté où j'ai la montagne. Et là, c'est carrément. Voilà, tout est ouvert. Et regardez un peu le sentier. Regardez ça. J'ai presque honte de marcher là parce que y a des jolies fleurs, il y a des abeilles, il y a des papillons. Et puis pour les pieds, ben je vous dis pas, c'est agréable. Mais vraiment, ouais, là aujourd'hui, je suis gâté, particulièrement gâté. Alors ça bouge pas mal là. Hein. Ouais. Vous voyez la flèche? Vous avez l'habitude de la flèche jaune sur le Camino? Eh bien, sur la Via Ghibellina, ça sera la flèche orange. C'est facile à suivre. Et voilà. Franchement, là, je suis 100% dans la campagne, dans la nature. Ah, c'est joli. Hein. Ce qu'on entend au loin, c'est. J'ai vu plusieurs ouvriers là avec des débroussailleuses qui sont en train de nettoyer. Je crois que c'était des champs privés. Voilà, voilà pour l'instant. Alors, il y a des sauterelles, il y a plein, plein, plein de villes. Ah, c'est beau. C'est magnifique. Et il vient de passer une espèce de. C'est une locanda, je ne sais pas comment traduire ça. On peut y manger, je ne sais pas si on peut y loger. Alors, moi, je vous dis à plus tard. Ciao!